Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishman, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Yaakov ben Aisha, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Rachel, Shlomo ben Esther, Risha ben Rim Nechemia, ainsi que l'Irfouat, Avraham Mori ben Reout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Zvachim, Perek Hei, Mishnah Vav. Atoda ve'el anazir, Tadashim Kalim, Shechitatan, Bechol Makom, Ba'azara. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע, ונאכלין בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, ליום ולילה עד חצות. המורם מהם כיוצא בהם, אלא שהמורם נאכל לכהנים, לנשיהם, ולבניהם, ולעבדיהם. בפס הנובוקאפ, שוסקה מנור נפלא, דוסקו נפלא לקודשי קודשים, סוקטי אולטרה קדוש, תחי קדוש, סן דסן, קדוש, דקור? ונירון קדושה. Jusqu'à maintenant, on avait parlé donc de Chataot, de Hacham, de Ola, Chataot Apnimiyot, depuis le début du Pérec. La singularité de tous ces korbanot, qui étaient définis d'être très kadosh, était que, d'une part, ils devaient nécessairement être Shritatan Batsafon, égorgés spécialement dans le nord, c'est-à-dire dans la moitié nord de la Hazara. Et en plus de ça, ils étaient interdits de sortir du Chatser. On avait l'autre dessin, on montrait la cour du Mishkan ou du Beth Amikdash, d'accord, donc les korbanot qui étaient kodesh kodashim n'avaient pas le droit de sortir, ils étaient nifsalim michutz leklaim, c'était l'expression de la Mishnah au-delà des rideaux qui définissaient les limites du Mishkan. Maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin du Perek, on va parler des kodashim kalim, les korbanot qui ont une sainteté légère, ils sont plus légers. Ça implique quoi d'être plus léger? Entre parenthèses, un sujet que j'ai pas du tout évoqué depuis le début du Pérec, parce que j'ai pas voulu le redire, c'était le problème de Meïla. Ouais, le fait de faire un sacrilège quand on les utilise à des profits personnels. Pour les Kodesh Kodashim, on transgresse, il y a un interdit de Meïla. Pour les Kodashim Kalim, pour des certaines raisons, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Mais ça, on va faire la parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler un jour, Bezrat Hashem. Notre propos pour le moment, donc, c'est de nous dire comme ça, Atoda, Ve'el, on va commencer dans l'ordre, donc, des Kodashim Kalim, on va commencer maintenant à définir leur singularité. De manière générale, tout ce qui est Kodashim Kalim, tout ce qui est donc ce groupe, cette famille des Korbanot, qui sont plus légers, ils pourront être égorgés dans toute la partie de la Hazara, dans toute l'enceinte de la Hazara, ça veut dire même au Tsafon comme au Darom, d'une part, par rapport à la manière de les abattre, et puis ensuite, et de recevoir le sang, bien sûr, et puis ensuite, en plein de ça, ils vont même être consommés dans tout Yerushalayim. D'accord ? Ils pourront être consommés dans tout Yerushalayim. Et ce sera essentiellement les deux points. Et puis, après, on va voir ceux qui sont mangés, en combien de temps on aura pour les consommer, ceux qui devront la manière de donner le sang. D'accord ? C'est ce qui fera la différence, en fait, la classification de la Mishnah. Pour le moment, on va commencer avec Atoda ve'el Anazir. Et je vous annonce tout de suite que la prochaine Mishnah, ce sera les Shlamim. Ce sera presque la même chose. Une toute petite différence par rapport au temps de consommation. D'accord ? On commence tout de suite avec Hatoda ve'el Nazir. Le Korban Toda et le Eil Nazir. Le Korban Toda, c'est un Korban qu'on apporte, celui qui a été sauvé de Bechol HaChaim Yodou Chasela, celui Chavouch, celui qui est sorti de prison, celui qui est Yordé Hayam, celui qui va dans les Olchemit Barot, celui qui était malade. D'accord, une fois qu'il a guéri, une fois qu'il a été sauvé, alors il a une mitzvah de reconnaître à Hachem la bonté qu'il lui a fait, d'apporter un korban, toda, comme on dit, c'est le mizmor que les Sfarades disent à Pessah, on dit Odou Hachem Kitov Kilon Chazo, là-bas on évoque les 4K, et là-bas, Viromimu Bikalham, Uvmoshav Zekenim Yalelu, Vizbechou Zivre Toda, c'est rapporté là-bas, d'apporter des korbanot toda. La Torah nous dit, lorsque tu apportes un korban toda, c'est très original, il faut apporter 40 pains avec une très grosse quantité de farine. Tu vois, j'ai fait le calcul, je ne l'ai plus en tête, je ne sais plus combien de kilos de pain il fallait apporter. Et pire que ça, les consommer en une journée, la journée du korban, et la nuit qui suit, et dès le lendemain matin, tout finir. C'est le korban toda. Le principe, c'est expliqué, je crois, dans le Kli Yakar, si je ne me trompe pas. Le principe, il est de je te donne plein à manger, et tu es très limité dans le temps, comme ça tu invites tout le monde pour manger, parce que tu vas pas tout brûler le lendemain, cette quantité de pain gigantesque. Et comme ça, tu vas commencer à raconter le miracle qu'Hachem t'a fait. Et c'est pour ça que la Torah nous a à la fois donné une grosse quantité de pain, et même
une de viande, bon, c'est tout un veau, à consommer en très peu de temps. Comme ça, tu fais un repas, tu invites plein de monde, tu racontes les miracles et tout le monde est content. D'accord ? Et El Nazir, c'est le Nazir, celui qui a pris sur lui de ne pas boire de vin et tout ça, de ne pas s'impurifier pour les morts, pendant 30 jours, une fois qu'il a fini, qu'il a rempli son devoir, il doit apporter un korban, un haïl. Il doit apporter plusieurs korbanot en général. Mais en tout cas, là, on rapporte spécifiquement le haïl du Nazir. Il y a des lachot particulières. Ensuite, il devra se couper les cheveux, les faire brûler en dessous, là où il fait cuire le... Il y a tout un rituel original pour le Nazir, d'accord ? Ces deux korbanot-là, alors, ils ont une singularité de... Alors, ils sont des Kodashim Kalim. Et ça implique, s'ils sont des Kodashim Kalim, donc, ils ont une sainteté légère. Donc, Shritatan, Bechol Makom Ba'azara. Leur abattage peut être réalisé, Bechol Makom Ba'azara, dans toute la partie de l'Azara, dans la partie nord comme dans la partie sud, à l'ouest du Mizbeach, là où le Kohen, il doit bien sûr être dans l'Azara et pas à l'extérieur, mais là où le Kohen trouve une place, et bien il se met à laver les gorges, il réceptionne le sang, et il l'apporte et le verse. Vedaman taun shte matanot she'en arba. Et le don, l'aspersion du sang, nécessite, daman taun, leur sang nécessite, shte matanot, de donner en deux aspersions, she'en arba, qui vont faire en fait quatre dons de sang, c'est-à-dire, même principe dans les Mishnah précédentes, il se met matzmed, mizrachit tsfonit, maravit dromit. Il se met une fois dans ce coin, en diagonale, en alarson, en diagonale. Et il vise, comme ça, il va toucher les deux coins. Regardez, comme notre petit Tommy Breslev, qui va mettre... donc, comme ça, il va réussir à toucher la face est et la face nord de ce côté. Quoi. D'accord ? Après, il va de l'autre côté. Matzmed, maravit, dromit. Et il se met là-bas de l'autre côté. Matzmed, c'est l'architevot. Mizrachit tsfonit, maravit, dromit. Ensuite, donc, Vedamantun Shemantan, Chanarba, c'est ce qu'on vient de faire. Vene'echalin, Bechol Ha'ir, Lechol Adam. Bechol ma'achal, le yom v'alayla adchatzot. Maintenant, on va parler de leur consommation, qui sont vénéchalin, ils pourront être consommés. Bechol ha'ir, dans toute la ville, dans tout Jérusalem, dans toutes les murailles de Jérusalem. Lechol adam, par tous les hommes, dès qu'il est juif, tahor, pur, il a le droit de manger. Homme comme femme, on n'a pas limité ça aux zichre keuna, comme il y avait dans les kodesh kodashim. Homme comme femme, enfant. Bechol ma'achal, de n'importe quelle manière. Cuit, grillé à la sauce, d'accord, bœuf bourguignon, comme il veut. Il est fait en frit, toutes les cuissons possibles. Ça, ça m'a pas exclu, comme on a déjà dit, le Corban Pessah, c'est le seul de tout le Pérec, en fait, où là-bas, on te dira, et non, Echal et la Tzalik, qui devrait être grillé. Tous les autres Corbanot, donc la Mishnah, c'est comme si la Mishnah se soucie, en fait, de remplir un tableau de manière bien nette. Vous avez qu'à le faire, même, ce sera un bel exercice. Et donc, vous allez voir qu'en fait, tous, on fait ce qu'on veut, on les fait que comme on veut, sauf le Corban Pessah. Donc par rapport à ça, la Mishnah nous dit Bechol ma'achal, Bechol ma'achal, de n'importe quelle manière on pourra les consommer, leur cuisson. Les yom valaïla adratzot. Par contre, on est délimité dans le temps pour être consommé en un jour et une nuit. Adratzot. Et même cette nuit-là, je te la laisse même pas entière, tu la fais que adratzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Ça, c'est une xéra des rabbanan. C'est un décret que Ramim ont fait. De manière à ce que les gens ne vont pas trop traîner pour manger, parce que vous savez bien, le jour de la Torah commence à partir du moment où c'est l'aube, ça commence 72 minutes avant le Netz. Regardez, si vous êtes réveillé, bientôt il y aura la veille de Shavuot, voyez à ce moment-là dans le ciel, vous n'allez rien voir. L'aube, en fait, concrètement, c'est tout au fond de l'Est, on est capable de percevoir un tout petit brin de lumière qui commence à apparaître. C'est vraiment, c'est très infime, donc on ne peut pas facilement... déceler quand commence le jour. De ce fait, tu risques facilement de déborder et de rentrer dans le jour alors que tu n'avais plus le droit de consommer. C'était délimité dans la nuit. Aussi, Chachamim nous ont dit jusqu'à la moitié de la nuit et tu t'arrêtes là. Ensuite, la Mishnah continue en nous disant Amuram mehem kayotse bahem. Ce que l'on prélève d'eux a le même statut qu'eux. Je continue à prendre, m'explique tout d'un coup. Et là, chez Amuram, seulement ce que l'on a prélevé. Nechal la Kohanim sera consommée par les Kohanim, l'Inchehem v'livnehem, par leurs femmes et par leurs enfants, ou l'Avdehem et même par leurs esclaves. Et on explique. Dans ces korbanot-là, pour la plupart, en fait, les Shlamim, en fait, la Toda, hein, le Korban Toda, c'est un cas particulier d'un Shlamim. Il a les mêmes règles que Shlamim, avec une seule différence, c'est la limitation dans le temps.
pour le Shlamim, on verra dans la Mishnah prochaine, qu'on a deux jours et la nuit du milieu. Pour le Korban Toda, on a la journée et la nuit qui suit uniquement. Mais sinon, tout est le même principe. Les Shlamim, donc le Toda qui est une sorte de Shlamim, et le Elenazir aussi, ce sont des... ils s'appellent Shlamim parce que ça apportait, parce qu'ils font le Shalom entre tout le monde. Dans la mesure où, lorsqu'on apporte les Korban Shlamim et Toda, on donne à manger à tout le monde. Il y a une part les graisses qui vont monter sur le Mizbeach, qu'on va faire brûler sur le Mizbeach. Une part que le propriétaire va lui-même manger. Et une autre part que les Kohanim vont manger. Donc il fait le Shalom entre tout le monde, on lui dit, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Korban Shlamim. Ce que l'on va, les parts qu'on va donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle le Chazé Vachok. Le choc, c'est littéralement la cuisse, on traduit ça par le flanc, je crois, pour une vache. Il y a le flanc, je ne sais plus, le Yamin, je pense, de droite. Et choc à Teruma, et non, c'est rapporté dans la paracha, c'est une fois, je crois que c'est Yamin. Et donc on doit rapporter la cuisse et le Chazé, ce qu'on appelle le Chazé Vachok. Le Chazé, c'est le torse. D'accord ? Il y a deux parts de viande à donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle le Chazé Vachok. Ils se partagent ça entre tous ceux qui sont là de service aujourd'hui. Le reste de l'animal, on enlève les graisses, on les fait monter sur le misbéach et on mange tout le reste. La Mishnah vient nous enseigner, sache que Hamuram Mehem, ce que tu as prélevé d'eux pour le donner au Kohen, donc le Chazé Vachok, le buste et le torse et la cuisse, alors Kayot Sebahem, il a les mêmes limitations d'espace et de temps que le Shlamim, que ce que je t'ai dit auparavant, qui sont la chair elle-même, que je savais que tu peux le manger par tout le monde, et dans tout Yerushalayim, pendant un jour et une nuit. Alors la même chose aussi, les Kohanim, tu leur donnes leur part, ils ne sont pas obligés de manger ça au Beit HaMikdash, ils peuvent le prendre et partir dans toute la ville de Yerushalayim, aller à Gansaker, dans les parois du mur, bien sûr, donc il n'y a pas de Gansaker, il va les manger là où il veut, il les mange là-bas en famille, avec aussi... Nechal et l'achat Amoram, ce que l'on a prélevé, Nechal, il est consommé, la Kohanim, par les Kohanim, l'Inchehem, même par leurs femmes des Kohanim, Velivnehem, même par leurs enfants, et même aussi par leurs esclaves. Leurs esclaves, on parle d'esclave Kenaani, qui devient la propriété du Kohen, et puisque, d'abord je dis des bêtises, parce que je crois que même Neved, Ivri, je ne suis pas sûr de mon coup, une petite seconde, la Vdea Kohanim, c'est pas précisé. Mais Nefesh qui knek kinen kaspo, je me souviens que c'est explicite, mais dans un sens ou dans l'autre, je m'embrouille un petit peu, je ne veux pas m'engager. Il me semble que même un évêque ivri, même un esclave juif, il aura le droit de. Non, je préfère pas dire de bêtises. Je sais plus, je vérifierai Blé Neder, je vous dirai au prochain cours, mais en Tachem, on aura la même phrase à la fin, donc je vous le dirai. En tout cas, ils seront consommés par par les Kohanim, ils devront être consommés par les Kohanim, par leurs femmes, par leurs enfants, et même par leurs esclaves, au minimum les esclaves Knaanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Non, je voulais juste vous préciser quand même, à la différence, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Pour les Shlamim, il y a des consommations pour tout le monde. Les autres Korbanot, les Chataot et Hacham, on donne à manger au Kohen, mais le propriétaire ne mange rien. D'accord ? À la différence donc des Shlamim, le Kohen a le droit de consommer. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de la Sfarakol Tov Selah.